Tu me dis quand t'es prête. Bon. Alors bien, bonjour à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Excellente journée. Donc, je vous amène à jeter votre regard sur ces deux assiettes de Hammer. Lequel vous fait donc le plus envie? La gauche. Ça va de soi. Donc, un expert. Voilà, si je vous disais que ça provient du même restaurant. Oui, hein? C'est pas la bonne manette, madame, pour changer. Voilà. Donc, je suis ici pour vous parler de la cage brasserie sportive. Mon nom est Annick Lamotte. Je suis représentante pour la cage depuis 12 ans. Notez le concept. Oh. 20 ans. Oh. Logo. Donc, voilà la table des matières. Vous vous donnez une petite idée de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la cage au sport, qui est devenue la cage brasserie sportive avec les années? La mission. Les collaborateurs, les produits exclusifs à la cage, les promotions, l'application du Club Cage, ça va de soi. La cage chez vous, ça a réinventé le food truck, pour ceux qui ne savaient pas. Ça fait partie de nos volets. Et comment y mettre de la cage. Donc, je vous offre... Une bière. Okay. Vous avez à l'intérieur le menu. Oui, juste avant le dîner, comme ça, ça va être parfait. Oui, le mardi. Nous sommes mardi, il va sans dire. De là, l'importance. Donc, la cage au sport est devenue la cage brasserie sportive, pour ceux qui ne le savaient pas, en 2015. Donc, on a 37 établissements à travers le Québec. On sert 7 millions de consommateurs donc, par année à travers ces 37 établissements. Donc voilà notre positionnement bouffe, bière, sport. Anciennement, c'était à l'inverse. Donc le sport en priorité, la bière et la bouffe étaient tout à fait en second plan. Maintenant, on a changé notre positionnement, ce qui fait de nous un important créneau de la restauration d'ambiance sportive. Donc je vais vous inviter à lire à tour de rôle les énoncé. Donc, on va commencer par ici. Un pionnier et un leader de la restauration d'ambiance sportive au Québec. Nous faisons nos propres sauces vinaigrettes, panures et marinades. C'est notre volonté d'offrir de la fraîcheur. Nous voulons continuer à épater nos clients en leur proposant une expérience. La Cage au sport se retrouve dans le palmarès. Je suis vraiment bien. 2010. Les 150 entreprises les plus admirer du Québec. Merci. C'est grâce à son professionnel. Positionnement stratégique. Pas de problème. C'est cryptique. Ouais, c'est ça. Auparavant, le sport était notre principal pilier, alors qu'il est désormais le troisième derrière le menu et la bière. Et nos cuisiniers sont formés à l'Académie de la Cage. C'est quelque chose qui est aussi mieux connu. Donc, notre promesse frais et locale est maintenant notre promesse de la cage. 80% de nos produits sont frais et locaux. Donc voilà quelques assiettes qui ont été redessinées avec l'arrivée de Louis-François Marcotte. Donc voilà nos partenaires du Québec. Sachez que c'est en passant de Saint-Esprit à Chambly, Horton, Esca, l'eau Esca, tous nos vins, le vignoble du Coteau-Rougemont également. Donc c'est Saint-Basile de Rouville également. Donc voilà, bonne moisson, franchement brassé. On s'est associé avec la Batte. On a fait installer, ils ont installé en fait des fûts dans nos salles à manger pour y insérer. Donc le produit de la bonne moisson qui est sans agent de conservation. Sa durée de vie est de 10 jours. Donc pendant 10 jours, de là, le coup de marketing, sur chaque verre, on a inscrit la date de mise en fût. Donc nos clients réguliers, là, ils regardent et ils nous taquinent un peu si on oublie d'écrire la nouvelle date. Ensuite de ça, nous avons également les vins. Donc, vin rouge, vin blanc, rosé. On a même nos bulles à l'effigie de la cage. C'est disponible à la cage exclusivement. Donc, disponible à la SOQ ou l'indépendant. Donc, c'est vraiment... Et maintenant, dû à la pandémie, on peut même aller chercher de la boisson maintenant dans les restaurants. Donc... C'est une bonne idée de goûter à nos vins. Tu fais un livret? Comment? Tu fais un livret?
Oui, ils font la livraison, ça dépend où. La livraison d'alcool? Mais ils livrent avec Uber. Est-ce qu'ils livrent même l'alcool, imaginons, on livre? Oui, parce qu'ils font des forfaits avec. OK, ah, c'est bon à savoir. C'est bien oui. Je savais pas. Non, mais à cause de la pandémie, anciennement, on ne pouvait pas faire ça. Mm-hmm. Maintenant, on peut... Ils ont déloussé un peu. Déloussé, la... voilà. Donc, parlons des promotions. Donc, le mardi, 5 à 10, c'est en restaurant maintenant, en livraison en ce moment. On peut aller chercher notre... crevettes bang bang. Les mercredis, c'est ma journée favorite, elle va s'en dire, les bouteilles de vin sont à moitié. Donc ça peut être rouge, blanc, bon, toutes les couleurs, naturellement, toutes sortes confondues, donc c'est pas nécessairement juste les produits québécois, mais bien toutes les sortes qu'on a en restaurant. Donc, tous ceux qui connaissent la cage connaissent le 5-2-8L. Il y a des promotions qui sont restées avec les années. Ça fait vraiment longtemps que c'est en... Voilà, que c'est en place. Sinon, le 5 choix à 10 $, c'est le mardi. C'est ça, ça change à chaque année, je dirais, les 5 choix. Donc, ça comprend tout le temps une pichette de bière, ainsi que 4 plats. En ce moment, c'est sûr que là, avec la pandémie, ça l'a pu. Mais dans mon temps, c'était. Ça fait quand même 10 ans que je travaille pour la cage. Donc, c'était une journée très achalandée le mardi. Ensuite, ben, on a parlé des vins à moitié prix, les ailes à moitié prix le jeudi. Et le menu enfant à partir de 3 $ les dimanches. Le Club Cage. Est-ce que vous connaissez le Club Cage? Avez-vous le Club Cage de télécharger sur vos téléphones? Oui, c'est vraiment. Oui. Moi, j'ai pas de cage. Je suis une chance. Oui, je sais. Merci. Non, elle est fermée. Oui, elle est fermée, c'est vrai. C'est devenu une brasserie. C'est ça, je voulais dire. Non, mais on entend parler naturellement parce que moi, je travaille à Mont-Saint-Hilaire. Et puis, on a hérité de beaucoup de choses. Bref, tout ça pour dire qu'avec l'application de la cage, ce que ça fait, on cumule vos visites. Ce qui est vraiment le fun avec la nouvelle application. Dans le temps, on avait des petites cartes fidélité là, qu'on remplissait, on mettait nos initiales. Après, 9 visites, vous en aviez un gratuit. En fait, c'était que c'était pareil pour tout le monde. Maintenant, avec l'application, si vous êtes quelqu'un qui dépense 100 $ à chaque fois, vous allez avoir un cadeau en fonction de ce que vous dépensez. Et non, celui qui mange un spaghetti avec une carinque sur la dîner, il se ramassa à la fin, il avait 15 $ pareil. Tandis que maintenant, c'est vraiment en fonction de ce que vous consommez habituellement. Il y a même l'historique de vos factures, ça c'est juste si vraiment ça vous tente de les regarder, là. Vous les avez. Sinon, il y a tous les matchs aussi de ce qui s'en vient. Les matchs de hockey qui sont également sur l'application. Alors voilà, maintenant, la cage chez vous. La cage chez vous, vu que à cause de la pandémie, les restaurants sont fermés. Donc, et comme les promotions sont disponibles seulement qu'en restaurant, bien là, ça faisait qu'on n'avait plus accès aux promotions de la cage. Donc, ils ont établi la cage chez vous. C'est des promotions qu'ils ont mis en place pour les take-out et pour la livraison. Donc, le trio saison 20 ailes avec 20 saucisses, ça vient tout le temps avec du Parker. Ça peut être vraiment sympathique, le tartare à 20 $, Pokéball. Et le petit kit cute, là, vendredi soir à la maison. On a les deux tartares avec les millefeuilles de Moïcheuse. Parce qu'on est maintenant propriétaire de la chaîne aussi Moïcheuse. Alors voilà, les kits. Les kits, ça sert à les commander, en fait, sur l'application. On va vous offrir les ingrédients, les plans de match pour le faire à la maison pour que ça soit frais. Naturellement, les prix sont vraiment en fonction du point de vue qu'il faut le faire. C'est vraiment, vraiment sympathique. Moi, honnêtement, le kit de fish taco, je l'ai fait à la maison. Les fish and chips arrivent comme... On a juste à les faire réchauffer. On monte tout ça, c'est frais. Ça évite qu'en cours de livraison, des fois, ça arrive à la maison, il faut les faire chauffer pareil. C'est pas facile. Oui, non, c'est vraiment... c'est le fun. Ça arrive tout dans des petits plats, puis on peut quand passer du temps en famille à les monter également. Donc, la cage sur la route est disponible pour vos événements. Si jamais vous faites un épisode de bledin, notez le lien avec le popcorn. Si vous me donnez une pichette de dedans, vous voulez épater ou vous inviter. Vous pouvez toujours avoir le food truck, là, donc ça se vend en forfait si on veut.
Donc, on peut mettre disponible des mini-burgers, de la poutine, ce genre de choses. C'est vraiment un forfait qu'on peut vendre pour les événements privés ou corporatifs. Donc, voilà, faites sur mesure. Nous avons également nos produits qui sont disponibles dans toutes les épiceries. En succursale également, nous, on les a. C'est disponible Métro, Super C, Costco, maintenant chez Walmart, Tiger Giant. Vous les avez et il y a Tiger Giant. Ouais, je trouve ça beau. Tiger Giant. Avez-vous des questions? Your English is pretty good. Mrs. Oui, Lamarck. Test my English today. Tu as parlé de l'Académie de la Cage? Oui, exact. C'est en quoi que ça consiste? C'est quoi qu'il y a? En fait, c'est un restaurant qui ont décerné comme Académie. Et puis, quand on a un nouveau chef, un nouveau sous-chef, et ces choses-là, on les envoie deux semaines intensifs pour aller apprendre aussi les grandes lignes de ce que c'est la cage et comment effectuer donc toutes les étapes. Oui? Les sauces et les épices que vous avez, c'est quoi en fait? Comme... Ben, on a toutes les sauces qu'on a en restaurant. Donc, la mayo chipotle, la mayo sriracha, on a les épices pour le steak, on a les épices. C'est tout en vente sur les tablettes en épicerie. Mais à mon kiosque en bas, j'en ai. Si vous souhaitez les voir, je vous invite à venir vous éclater. Lien avec le popcorn. Avec moi, mon kiosque. Et surtout, vous pouvez embarquer dans l'action. Donc, on est en recrutement. Si jamais vous souhaitez changer de carrière, je connais des gens qui changent de carrière. Donc, des fois, si ça vous tente, ben, on en garde. Peut-être pas dans une cage à Granby, mais à Drummond ou à Mont-Saint-Hilaire. Oui. Drummond, il y en a une. Alors, je vous remercie beaucoup. Bravo! Bravo.